Alors préparez-vous puis dites-le aux autres, l'année prochaine, du grand nouveau qui s'en vient pour du très très grand nouveau Madame pour le 20e anniversaire. Notre maire, M. Claude Morin, va nous dire un petit mot. Merci. Alors bonjour tout le monde. Bravo encore une fois. J'ai fait le tour. Il y a des belles... vous avez fait un effort certain parce qu'il y a des... Il me semble que c'est plus beau. D'année en année, c'est encore plus beau. Alors bravo à tous ceux et celles qui ont participé aux différentes sculptures. Vous êtes des vrais de vrais. Alors... vous n'êtes pas des frileux, comme on dirait chez nous. Alors bon, tout le monde, espérons que les gagnants vont être les... Ça en attend un peu, mais c'est fait sous air. Y a-tu un bureau de comptable en l'air de ça? Là? On a une firme qui s'assure que le comptage est bien fait. Alors bravo et à la prochaine. C'est M. le maire qui va remettre les bourses. C'est qu'on va inviter les gens ensuite à rester pour prendre la photo. Catégorie adulte. Deuxième position. Trou de serrure, le numéro 38, Laurent Loignon. Maintenant, la première position dans la catégorie adulte, décernée au bloc numéro 15, l'air de glace de Stéphane Rancourt. On poursuit avec la catégorie familiale. Troisième position. Le bloc numéro 8, petite maison et l'homme avec la vue de Anne-Marie Coulombe. Est-ce qu'elle est ici? Oui, oui. La famille de Mme Anne-Marie Coulombe, venez sur la scène. Maintenant, la deuxième pour musicien dans la catégorie familiale, le bloc numéro 30, le dinosaure de Simon Gilbert. Fait que merci à tout le monde, puis on vous invite à venir patiner dans les prochaines semaines. Là, tant que la température va le permettre, on va laisser les sculptures sur place. Le patinage, son et lumière aussi. Et on espère que les sculptures vont être encore là. Fait que samedi soir, la semaine prochaine, patinage, son et lumière.